Non, non, au secours. Oh, ça va pas recommencer. Pitié, arrêtez ça. Quand je joue de ma chance, je peux compter sur toi. Ah, tu es là, mon chéri. Tu veux chanter avec nous? On répétait pour le grand concours annuel de karaoké. À quoi bon? Vous le gagnez tous les ans en chantant à chaque fois cette même chanson débile. Peut-être qu'un concurrent sérieux va nous battre cette fois. Non, on rigole, on est imbattable. Ouais, bah moi je dis qu'il est temps qu'un autre Riboldi modernise tout ça. Sous karaoké killer, karaoké killer. Voilà comment on fait de la musique. Tu oses appeler ça du karaoké? Et en plus tu ne respectes même pas le matériel. J'étais dans le feu de l'action, inspiré et naturel. De l'impro quoi. Sache que l'impro, comme tu dis, est le pire ennemi du karaoké. Tu vas avoir besoin de beaucoup de chance pour nous battre, mon garçon. Mais l'espoir fait vivre, pas vrai? Bonsoir, mesdames et messieurs. À présent, accueillons les membres du jury. Le rappeur qu'on ne présente plus, MC Egoïne. Notre généreux sponsor, monsieur Pinkerton. Et Barry, le SDF. On est bien d'accord qu'on est payé en poulet rôti, moi et mes potes. Chaque chose en son temps, mon vieux. Que le meilleur, Riboldi, gagne. Vous avez mis vos costumes à l'envers. Oh, bah oui. J'espère que vous vous êtes bien nettoyé les oreilles. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, que le grand concours de karaoké d'Icaria commence? McDonald avait une vache. Hé, hey, vas-y, c'est à toi, Félicité. J'aime bien le pâté en croûte. J'aime pas quand mon maillot de bain rentre dans mes fesses. J'aime bien faire craquer mes doigts. Merci à Perceval pour son nouveau morceau de 25 minutes sur ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et voici le moment que nous attendons tous. Irlanda et Leonidas. J'ai vraiment de la chance de t'avoir avec moi. Mais quand je joue de ma chance, je peux compter sur toi. Trop la honte. Et tu veux quitter la ville? Vas-y, c'est pas moi qui vais te retenir, Riboldi. D'être encore amoureux. Ils ont encore cassé la baraque, on applaudit les Riboldi. Oh waouh, on dirait qu'il y a encore un Riboldi. Quelle famille! Voyons voir s'il est aussi beau que la vieille génération. C'est de nous qu'il parle, la dame? À bas la variette! Moi je ne pense à déchirer. Je veux pas chanter, je veux rugir. Je suis votre pire cauchemar. Je bois mon café noir. Car je suis karaoké killer. Karaoké killer. Oh yeah, ça c'est du lourd. Un peu atypique mais intéressant. J'ai pas de la fiente sur la tête hein. Ils ont aimé les piafs. Le jury est unanime, c'est le jeune Riboldi qui affrontera les vieux Riboldi lors de la finale, ainsi que Pinky. Quoi? C'est une blague? Pinky a même pas chanté. Et dis donc, vous allez arrêter de nous traiter de vieux, hein? Mon fils doit absolument préserver sa voix angélique pour la grande finale. On est d'accord? Oh! Pourquoi tu fais ahem? Tiens, prends un peu de thé au citron. J'en veux pas de ton thé, ma voix est cristalline. Psst. Faites bien attention, la rumeur dit que votre fils Elvis va vous ratatiner. Franchement, si j'étais vous, j'improviserais quelques petits changements. Improviser quelques petits changements? Tout le monde sait que l'improvisation est le pire ennemi du karaoké. Je comprends, vous voulez pas prendre le risque. Je crois qu'il parle du... Fa dièse de la mort. Bah, disons qu'il faut prendre des risques quand on veut gagner. Mais même ma
Maître Gims a arrêté de chanter cette note. La légende raconte qu'il ne l'a faite qu'une seule fois, il y a très longtemps, et que depuis, il ne chante plus. Qu'en playback. Bon, ben moi je vous conseille de travailler ça en tout cas. Le fa dièse de la mort, on doit prendre le risque. Je veux te préserver, Irlanda, je vais le faire seul. J'ai vraiment de la chance. Parle-moi, Léo. Parlez, Léo. Non, 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 non. Killer. Alors, ça défonce, non? Ça déchire? Qu'est-ce que tu dis? T'as dit quoi? Il t'en faudra bien plus que ça pour réussir à battre tes parents Elvis. Ils sont en train de s'entraîner au fa dièse de la mort. T'as aucune chance. Le fa dièse? J'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais ça a l'air super hardcore. Ouais, j'espère que t'as des oreilles de rechange. Il faut que je change de stratégie. Je vais jouer encore plus fort. Je vais monter le volume jusqu'à 12. Mais ça va à 11 maximum. Bah, en fait, il va que jusqu'à 10. Elvis a écrit le chiffre 11 avec une crème et normal... Je vais l'effacer et je vais mettre un 12. Avec ce que je vais te bricoler, on va t'entendre sur Mars. Ouais. Plus loin encore, jusqu'à la Lune. Grâce à ça, tes chances sont optimum. Eh, bonne chance, que le meilleur gagne. Ah ouais, d'accord, tu me calcules même pas, bel esprit. Maintenant, faites du bruit pour le premier de nos trois grands finalistes, le jeune Ribaldi. À bas la variette, à bas les paillettes, moi je pense à déchirer. Je veux pas chanter, je veux rugir, je suis votre pire cauchemar. Je bois mon café noir, je vais exploser vos nappes. Très bien, alors, le jury a pris sa décision à l'unanimité, vous êtes disqualifiés. Eh bien, après ce fiasco, il revient maintenant au vieux Ribaldi de sauver l'honneur de la famille, Irlanda et Léonidas. J'ai vraiment de la chance de t'avoir avec moi. Mais quand je joue de ma chance, je peux compter sur toi. Hein? Elle improvise? Mais c'est grave pas du tout son truc. Papa, pourquoi t'es pas sur scène avec elle? Ah ouais, tu m'adresses vraiment plus la parole. Eh ben ça rend gueudin, karaoké. On dirait que les Ribaldi n'ont pas bien encaissé le fa dièse de la mort. Attends, c'est lui, le fa dièse de la mort? Est-ce que t'as chanté? Oh! Alors il ne reste plus qu'à improviser. J'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance. On a vraiment, vraiment de la chance. Le fa dièse de la mort, notre fils est l'élu. Merci, carrière. C'était incroyable, mais je n'ai pas terminé, nous devons encore écouter le fils du riche. Alors faites du bruit pour Pinky. Nos super gagnants là. Cette année encore, un gros big up à la famille Ribaldi. Ribaldi, 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 Ribaldi.
à retrouver sa voix et répète pour l'année prochaine. Oh, la même chanson.